L'attribution des responsabilités. Et là, le travail que le pasteur va vous présenter maintenant a été fait par une commission. La commission a travaillé, elle a été mise sur pied dans la réunion, dans une assemblée générale, le 20 avril. Elle a travaillé et au terme de son travail, voici un peu le travail que la commission a produit. Ce travail, certes, c'est une œuvre humaine. Il peut avoir des coquilles à corriger ensemble. La commission reste toujours ouverte aux amendements et autres enrichissements. Nous nous sommes référés à la charte de l'Union sacrée. En ses articles 46 à 57, et là, nous avons retenu trois organes. Nous avons retenu la coordination provinciale, nous avons retenu le secrétariat exécutif provincial et la conseillère. Au niveau de la coordination provinciale, nous avons le coordonnateur provincial. Et ce poste, nous l'avons attribué à l'INC, à la personne de Stéphane Henry Machukano. Pour son honneur, nous l'applaudissons. Coordination provinciale adjointe numéro 3, KML. Coordination provinciale adjointe numéro 4, G4. Ligue des jeunes, IDPS. Ligue des femmes, IDPS. Trésorerie, INC. Plus PT. Secrétariat exécutif provincial. Secrétaire exécutif provincial, nous l'avons accordé à ACN. Secrétaire exécutif provincial adjoint chargé des questions politiques, PCP. Pour les questions administratives, CNC. Pour les questions juridiques, CPD. Pour les questions électorales, PT plus MSC. Questions économiques et financières, APDD et DCFN. Questions communication, BIREC et MLC. Pour des questions sociales, nous avons VFR et UNANA. Questions culturelles, les Républicains et PAG. Pour les questions scientifiques, ANC, MSC. Donc il y a deux parties, ANC et MSC. Pour les questions logistiques, INAFEC et secondé par AVRP. Pour les questions protocolaires, nous avons INC et SCN. Relations publiques, FCR, MCU. Pour les questions études et
prospective IFR et AVC. Pour les questions genre, femmes et enfants, PCP et ADR. Questions liées à la jeunesse. Il y a PDG et notre parti qui nous sera donné tout à l'heure. Nous attendons son animateur. Il n'est pas encore là, malheureusement. Relations avec les autres partis. Nous avons AREP et ESECO. ESECO. Question congolais de l'étranger. Nous avons la AADR. AADR. Question des Congolais de l'étranger. Question mobilisation. AVRP et A2018. C'est A2018. Ok, A2018. Question relative aux personnes vivant avec handicap, PDT et FEDEC. Question sécuritaire, PK et PC. Question implantation, MLC et PC. Au niveau de la conseillerie, nous avons le conseiller principal provincial qui a été accordé à ANCE. Et l'animateur, c'est la personne qui vous parle maintenant. Conseiller adjoint numéro 1, M.R. Jico. Conseiller adjoint numéro 2, Aposem. Conseiller adjoint numéro 3, un poste à pourvoir parce qu'il n'y avait pas encore le parti qui était désigné. Nous étions limités par les nombres qu'on avait des partis. Vous avez suivi ce matin quand on nous disait qu'il y a d'autres qui se sont présentés juste ce matin ou hier soir peut-être. Voilà la raison pour laquelle, quelque part, nous avons encore des vides. À la fin de cet événement, et nous allons devoir prendre les discours du coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation, M. Stéphane Machokalo. Coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation en province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades fédéraux, interfédéraux, membres de l'Union Sacrée de la Nation Nord Kivu, à cette occasion que nous jugeons ô combien importante pour l'avenir de notre grande machine qui est l'Union Sacrée de la Nation, nous tenons tout d'abord à remercier le président de la République qui a été inspiré pour mettre en place cette organisation qui est le fruit d'une inspiration de génie qui consiste à réunir tous les bons politiques sans distinction d'appartenance de courant politique ni de tribu en vue de regarder tous dans la même direction. L'activité, elle ne veut pas être élastique. Nous disons encore une fois merci à tout le parti qui se sont mobilisés financièrement, spirituellement, et que sais-je encore, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont prié pour la réussite de cette manifestation. Et quand je vois les drapeaux qui nous entourent ici, en tout cas, il y a de quoi nous applaudir nous-mêmes. Applaudissez tous les deux. Voilà. Là. Non. Voilà, nous sommes à la fin de notre activité. Je crois. La plupart d'entre nous, chacun a son invitation. Et nous allons tous respecter l'ordre. Je crois que c'est sans discrimination. Vous avez tous les consignes. La fête continue. Je pense, après ici, nous aurons une autre réunion parce que nous avons dit que nous devons aller auprès du gouverneur
donc toutes les autorités, pour nous y présenter, ce n'est pas une bonne chose. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon. Oui, donc après ici, quand on sera là en bas, nous allons discuter de l'activité qui doit suivre, aller présenter nos civilités aux autorités locales, en commençant par le gouverneur de province. Certes, il y a des choses qui se disent ça et là, demain, ça sera la sortie officielle au niveau national, mais nous avons voulu lancer un message, leur dire que depuis le lancement, la mise en place de l'Union sacrée, nous, au Nord Kivu, on existait déjà. On existait déjà. Et ils doivent tenir compte du travail qui est fait sur le terrain. Je crois que c'est ce qui sera fait. La politique a toujours été derrière là où il y a la force. Si nous sommes forts, ils seront obligés. Ils seront obligés. Parce qu'il y a des gens qui font de bruit. Comme on a fait Nabilé, Kim Jong-un t'a désigné. Depuis quand? C'est la base, n'est-ce pas? Base ici, Roby, donc c'est ça nous. Donc peut-être dans les autres provinces, on dormait. Mais nous, on ne dormait pas. Nous avons cette particularité, nous devons en jouir. S'il faut nommer qu'on nomme dans d'autres provinces, mais nous, on est là, dès la création de l'Union sacrée. Il faut tenir compte de nous. Toboi, Batubaya Nambongo, lobby, que les gens viennent avec l'argent et qu'ils cherchent à dire que ce sont des l'Union sacrée. Il n'y a pas l'Union sacrée en dehors de vous. Est-ce que on se comprend? Il n'y a pas l'Union sacrée en dehors de vous. C'est nous l'Union sacrée. Et l'activité que nous sommes en train de faire, ça, pour autant abuser du temps, l'activité va aller à Kinshasa et auprès du président de la République. Parmi nous, il y a déjà les gens qui vont faire parvenir ça là-bas, même à Kinshasa, on est en train de nous suivre. Donc, soyez fiers de vous. Appelez tous les autres, les portes sont grandement ouvertes. Assez si beau. Voilà. Alors, nous allons descendre dans l'ordre là en bas et nous allons continuer nos discussions là en bas. Mais nous y allons avec les invitations. Je crois que je vais appeler. Aujourd'hui, vous venez de bénéficier encore cet espoir de tous les membres de l'Union sacrée en province de Nord Kivu. Quels seront les champs de bataille avant les élections qui pointent à l'horizon du 6 décembre 2023? Oui, pour commencer par là où vous avez commencé, c'est-à-dire les amis, ils ont renouvelé leur confiance à ma modeste personne comme coordonnateur de l'Union sacrée de la nation en province du Nord Kivu. Ceci pour dire quoi? Nous nous rangeons déjà en ordre de bataille parce que les échéances électorales, c'est d'ici peu, au mois de décembre 2023. La province du Nord Kivu a cette particularité d'être avisée, d'être une province qui sait faire le pas bien avant. Et tout ça, c'est pour vous dire que nous avons déjà commencé l'Union sacrée dès sa création. Depuis la vision du chef de l'État, nous étions déjà là, c'est la particularité de la province du Nord Kivu. L'année électorale dans laquelle nous sommes, c'est pour nous une année de combat. Nous nous rangeons en ordre de bataille, si je dois répéter, derrière le président de la République, sous le label de l'Union sacrée, pour porter haut l'étendard de l'Union sacrée. Nous pensons que avec l'appui des uns des autres, de tout le parti que vous voyez qui compose l'Union sacrée dans la province du Nord qui vous met dans la main, nous allons travailler d'arrache-pied pour que le président Fachi, notre champion, s'il ne faut pas dire qu'il va gagner avec un score soviétique, mais nous devons tout faire pour qu'il ait au moins 80% de suffrages. Donc tout le Nord qui vous est derrière le président de la République. Et pour nous, notre slogan, c'est Fachi Mouillé en 2023. Merci. Bonjour. Retenons quoi aujourd'hui? C'est l'INC. Oui. L'INC en province du Nord Kivu a été à la CENI il y a 4 jours, si je ne suis pas en contradiction avec ma mémoire. Pourquoi nous y sommes allés?
parce qu'on projetait faire une activité de sensibilisation de la population à l'enrôlement. On savait que la date prévue était le 16. Et nous, on a voulu qu'avant le 16, nous puissions circuler dans toute la ville de Goma pour appeler papa, maman, jeunes, tous ceux-là qui sont en âge de voter. Et ceux-là qui vont totaliser 18 ans le 18 décembre, d'aller se faire enrôler auprès des centres les plus proches. Voilà pourquoi aujourd'hui, à la veille de l'enrôlement, de la CENI bien sûr, nous comme parti politique, conformément à l'article 8 de la Constitution, c'est 6, hein, de la Constitution, si je ne m'abuse pas, nous avons ce devoir de sensibiliser la population, c'est l'article 6, de sensibiliser la population, d'éduquer la population, d'informer et de former la population autrement. Voilà pourquoi nous avons saisi cette opportunité à la veille de l'enrôlement de la CENI, de circuler dans toute la ville. Bientôt là, on commence, on attendait que vous les journalistes, d'ailleurs on est en retard par rapport à notre programme, circuler dans toute la ville, appeler tout le monde à aller se faire enrôler, parce qu'il y avait la peur bleue qui habitait tout le monde, compte tenu de l'aspect sécuritaire. On se posait mille et une questions. Est-ce que l'enrôlement aura lieu? Mais ceux de la CENI nous ont rassurés que demain, ils commencent l'opération, parce que le pays ne peut pas rester figé, cloué au caprice du homme 23. Le pays doit marcher, le pays doit fonctionner. Et c'est pourquoi nous sommes en train de stimuler encore une fois la population, ceux-là qui avaient peur, d'aller se faire enrôler massivement à partir de demain. Il y a toujours un doute qui plane autour de la tenue des élections au Nord Kivu. Est-ce que vous croyez à la tenue des élections de décembre 2023? Non, quand la CENI commence les opérations, la CENI, jusqu'à preuve du contraire, ne vous a pas dit un autre langage que les élections au mois de décembre. Que voulez-vous que moi je vous dise d'autre? Donc je m'en tiens à ce que nous rassure la CENI. La CENI nous dit qu'au mois de décembre, elle sera prête. C'est tout. Et nous, nous en tenons à la CENI parce que c'est la CENI qui est l'organe habilité à organiser les élections. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ne nous ont pas encore dit autre chose que les élections au mois de décembre. Il y a les coordinations de la société civile des zones occupées par la M23, notamment les Massissi, Rotshuru et Nyiragongo. Ces coordinations s'inscrivent à fois, ils s'opposent en tout cas disons aux élections, alors au lancement, au début de ces processus. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas vraiment opportun, plutôt Kinshasa devrait s'occuper de cette question liée à la guerre. Est-ce que pensez-vous que ces gens ont raison? On comprend leur émotion. Imaginez-vous, c'est là qui souffre dans les faits fonds de Rutshuru ou de Masisi. Ils sont plus assiégés par la situation de guerre. Pour quelqu'un qui a faim, ce qui l'intéresse, c'est le pain et l'arachide. Autre chose ne l'intéresse pas. Même si vous l'offrez une maison, ça ne l'intéresse pas. C'est tout à fait normal. Et nous leur disons ceci, d'avoir foi à nos FARDC. Bientôt, la guerre va prendre fin. Mais ceux qui sont dans les camps, qui ont fui la guerre, ils seront enrôlés en fonction de leur milieu d'origine. Une autre précision de taille, chaque aire opérationnelle a ses propres machines. C'est pour dire quoi? Nous avons l'intime conviction que bientôt la guerre va cesser et les machines seront déplacées dans les lieux, dans les zones occupées par les fameux M23 et ils seront enrôlés. Vous mobilisez les gens pour un enrôlement massif, mais la cartographie de la CENI a repris les mêmes centres. Comparativement à la démographie actuelle, est-ce que ça vous arrange, vous, en tant que politique? Non, il n'y a pas de problème. La démographie, si elle est allée au-delà de limite de la ville, donc là c'est Nyiragongo. Si la population croit, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, s'il faut répondre à votre question, peut-être c'est au niveau de l'enrôlement, si les choses peuvent aller vite parce que la population n'est plus la même.
à monter démographiquement. Par là, il y a le problème de téléphone. Nous allons devoir expliquer. Donc vous pouvez facilement... il y a une application ouf. À partir de votre téléphone, avant d'aller à la CENI, vous remplissez, vous y allez, l'opérateur de saisie est là. Il n'est pas que les empreintes digitales et au niveau des yeux, ça va vite. Mais sinon, la population prendre de l'ascension démographiquement par là, d'ailleurs, c'est ça c'est que nous voulons, que nous ayons beaucoup de sièges. Les centres restent les mêmes, oui. Le nombre reste les mêmes, mais vous ne croyez pas qu'il y ait des retards, par exemple? Non, je vous dis qu'il y a déjà une innovation de téléphone. Ça devient facile. Vous venez après avoir tout complété et quand vous êtes devant l'opérateur de saisie, c'est facile, vous partez. C'est notre devoir maintenant d'expliquer aux gens cette option qui se trouve dans les téléphones. Monsieur Stéphane, par rapport à la qualité de la carte qui a fait beaucoup de polémiques dans les deux zones opérationnelles, quel est votre message? Bon, nous avons été à la CENI et ils nous ont démontré. Le problème, c'était comment? Vous savez, tout début a été difficile. Il y a plusieurs qualités de photos. Il nous a dit ça, c'est parce que ce sont les photos en noir-blanc. Quand l'image est plus claire et que vous choisissiez l'image plus claire, la photo devient plus sombre. Donc il faut choisir l'image la moins claire, comme c'est en noir-blanc, quand ça va sortir, ça sera clair. Ce sera votre figure, ça sera Justin Kabumba exactement sans problème. Nous-mêmes, nous avons expérimenté. Mafupi katika Kiswahili. Kwa sababu gani mweza kukusanya